Eh bien le bonjour. Bien le bonjour, messieurs, dames. On se retrouve sur quoi? Sur Omori aujourd'hui? Encore une fois, hein? Faut se le finir, ce jeu, où on déprime un peu, là. Faut se le finir, hein? Donc, on va continuer tranquillement. On était à combien? 7 heures de jeu. Est-ce qu'on va bader un peu? Mais oui, viens bader avec moi. Viens. Viens un peu déprimer, là. Sur ce petit jeu sympa. Ah oui, on était chez les Tom Pouce. Je crois que j'avais remis l'électricité, hein. Non, Topinambour. Je sais plus comment il s'appelle, moi, c'est. Ah bah voilà, on avait remis l'électricité. On avait perdu l'électricité. Et on vient de remettre. Top Mousse. Je sais plus comment il s'appelle. Mais moi, je suis à la recherche d'un beau et jeune gentilhomme. C'est moi? Vous? Bah, bien sûr! C'est une bête magnifique! Oui, oui, vous avez l'air de pouvoir faire l'affaire. Allez, viens faire l'affaire avec moi. Ouais, vous me flattez, je ne sais pas quoi dire. Gentil monsieur, est devenu une pauvre et humble taupe. Ouais, par contre. On baisse un peu, hein? Eh bien. Comment puis-je refuser? Merci, merci, jeune homme, vous êtes trop généreux. S'il vous plaît, venez par ici maintenant et que ça saute. Attendez un instant, est-ce que mes amis peuvent venir aussi? Oui, mes amis. Vous êtes ici pour voir la quête de la choupette. Ok. Ok. Héros a quitté les petits. Oh non! Qu'est-ce qu'on. Le son est bizarre quand même, hein. Ça s'arrête un peu. Petite boisson là. Installez-vous, hein. Petite boisson, et puis là on. Durant la pause, nous avons le regret de vous informer qu'un tragique accident a eu lieu, juste ici, sur cette même scène. Bah oui. Petit loulou, il. Bah ouais. Candidat numéro 3. Purée. Pour les quelques secondes que nous avons pu connaître. Vraiment une amie irremplaçable. Purée. Candidat numéro 3. À jamais dans notre cœur, hein. Et du coup, c'est Héros qui le remplace. T'as quel beau gosse, ce Héros. Ok, je suis là, notre nouveau candidat de la forêt vaste, notre brave Héros. Bravo. Quel beau gosse. Un vrai beau gosse, ça. Gigantesque. Et il est gigantesque, ce mec, hein. De toute façon, sa pâtisserie, cuisine et le nettoyage. Il n'a pas regardé son sourire de rêve. Eh ouais, mon pote. Il a l'air de présenter une star de ce spectacle. Tamisez lumière, s'il vous plaît. Elle aimait la beauté. Elle respire la grâce. C'est le plus somptueux des visages, oui, vous savez que nous parlons. Et tout ce qui est plus incroyable, extraordinaire. Elle est sur le point de poser les pieds sur cette même scène. Elle est la seule et unique, la magnifique. La choupette! Elle est là, la choupette, hein. C'est pas une taupe! Oh! Excellente entrée, votre majesté. Et comment elle est devenue la reine des taupes? Mais stupide! En tant que choupette, t'es la meilleure! Ah, mais elle m'a saoulé avec son cri! Sur cette scène, est-ce aujourd'hui sera le meilleur? On trouvera votre cœur. Commençons avec quelques questions. Une chose à laquelle Choupette accorde le plus chez sa compagnon, c'est son obéissance totale et absolue. Accepteriez-vous de prêter allégeance à Choupette pour le reste de votre vie? Ouais, je sais pas, j'imagine. Alors, Choupette, même pas grand d'un mètre, mon Dieu, c'est bien trop petit, envoyez-le au cachot. Oh! Un peu énervé la choupette. Très bien. Héros, fais pas le con. Nous vous posons la même question. Il n'y a pas de bonne façon. Acceptez-vous de prêter allégeance à choupette pour le reste de votre vie? Eh bien, bien sûr. Ça veut dire que je ne serai pas envoyé au cachot. Toi, t'es foutu. Oula! Mais elle est trop énervée. Ouah, la choupette. Il s'est barré le con. Rattrapé le con.
J'aimerais que vous soyez le dernier en lice. Je vais vous poser la même question une dernière fois. Encore une fois, pas de pression. Allez, héros, donne ton meilleur discours, s'il te plaît. Ça me semble pas juste du tout. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Oh! Celui-ci, il est absolument impeccable! Se pourrait-il? Est-ce que Choupette est amoureuse? Quoi? Ils sont faits l'un pour l'autre. Attendez, mais je viens de dire... Ah! Tu feras parfaitement l'affaire. C'est quoi ton nom déjà? C'est Rome Dame. Dans mes quartiers! Mais elle va le violer, là. C'est quoi cette histoire? Emmenez-le. C'est quoi ce bordel, là? jamais, parce que Jean qui m'aime pas. Putain, mais l'autre il remet tout à lui. Alors, pour vous expliquer, il y a Jean qui est là. Et son seul message c'est de dire eh, quand est-ce que tu joues avec moi parce que je m'aime trop. Allez, ciao. Oh là là là, sacré Jean. Bah merci d'être passé quand même, Jean. C'est gentil à toi. J'ai pas du tout vu venir. J'ai pas envie d'aller au cachot. Ça sert vraiment à rien. Tu dois rejeter Choupette. Aïe aïe aïe. Je pense pas qu'elle m'écoutera, fait le juste. Alors comment il va s'en sortir? Non mais. Il va pas l'épouser cette poufle. Eh bah casse-toi. Je fais pas ça pour toi, je fais ça pour les gens. Je fais ça pour moi. Moi j'aime le jeu. Je suis désolé, Choupette, mais je ne suis pas intéressé. Allez, ciao. C'est vraiment très flatteur tout ça, mais vous savez, nous sommes rencontrés il y a peu et bien, je dois rejeter votre... Hop. J'ai jamais entendu de si stupide. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Comment elle va réagir? Ah! Comment elle va réagir cette... Oula. Oula, 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 oula. Battez-vous. Battez-vous! Alors. Premièrement, vous moquez de moi et ensuite vous m'interrompez dans votre propre spectacle. Merde, on est... Aïe, 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 aïe. C'est la bagarre. Ah non, même pas. Nous sommes dans ce pétrin. Aïe, aïe, aïe. On est enfermés comme des... Vous ne me reconnaissez pas. C'est qui? Ah merde, pour m'avoir mis en colère. On s'est fait un bobiné, purée. La vengeance c'est un plat qui se mange froid. Maintenant pour essayer bande de plébéiens. Poussé dans le cachot pour toujours. Aïe aïe aïe. Ouais. On va trouver quelque chose. Bah. Mais il est sous verre là. Bah les cons. Ah. Merde. Oh. Un peu de tofu là. Ok, c'est la bagarre. Je sais même plus ce que j'avais comme aptitude et tout. Ok, let's go. Bim. Bien joué. Bim. Attaque insipide, nice. Ouais, butez-le là. Ah, il est résistant quand même. Putain, même en insipide, il est fort. Il est fort le...
Léo Moria. Bah alors Harold, Harold, on se prend des taquets dans la gueule. Tiens, allez, bouffe. Bouffez. Bon. Finalement. Hop, c'est fini. Allez, ça dégage Harold. Pas encore. Là, ça dégage. Voilà. Bien joué. Ça se la gagne de la palourde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Un ramen dans les chiottes. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Secret place. Marie. Nous sommes coincés dans le cachot. Putain, la Marie. Ah, la musique. T'as la Marie, dès qu'elle est là, ça, c'est synonyme quand même de bonnes choses. Hein. Ah là 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 là, là le plus beau. Hein. Là le plus beau. De qui les Zabil? Ah, Zabil, je peux te dire. Alors, que je t'explique, parce qu'attends, t'as peut-être pas, t'as pas vu le début. En gros, on a remis l'électricité là. Et en fait, une fois qu'on a remis l'électricité, Choupette, elle a repris. Elle a pris Héro à la place du C, le candidat numéro 3 qui s'est fait dézinguer là. Bah, Choupette, elle a choisi Héro. Et en fait, elle est tombée amoureuse de Héro, sauf qu'elle a envoyé tout le monde au cachot. Et Héro, il a dit, ben bah, en fait, je veux pas être avec toi en fait. Et du coup, bah, on s'est retrouvés dans le cachot. Voilà. Voilà, voilà, voilà la petite histoire. Donc, on est dans ce foutu cachot des taupes. Et puis, bah, on va essayer de s'en sortir, hein, parce que finalement, faut qu'on essaye. Hein. J'étais un gâchot, mais les limites d'habitude sont tenaces. Oh. Ah, à cause de Choupette. À cause de... T'as fini au cachot. À cause d'une taupe. J'adore les taupes. Quelle bande de... ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais. Ah, j'ai pas repris. J'ai pas repris de confiture de vie. Pas grave. Hop là, on reprend du tofu. Oui. Hop là, un peu de tofu. Ah, mais plaisir, plaisir partagé. Mon... Ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Tu vois, Jean qui n'attendait qu'une chose, c'est de pas me voir sur ce jeu. On va se le poignarder lui hein. Oh non, on va le tailler. On est à côté du point de sauvegarde donc on peut. Oh oui. Sacré Jean, tiens. Oh là là, voilà. Allez, ça dégage. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est fort ça quand même, la triple taillade de Jean-Michel Dépression. Ah. Oui. Mais échappe-toi! Alors. Ok. Ah. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est trouver la sortie. Ouais, bah dégage! C'est quoi ça? On m'observe là. Ouais, mais dégage! Ah! Oh bien, ouais. Ah ouais! Fort qu'elle, hein. Bien, ouais, qu'elle. Bien, ouais, ça! Hop, on se la restaure, la petite gueule. C'est pas ça que je voulais faire! Y avait-il une chance que tu dises oui pour épouser Choupette? Impossible. Tu sais que je n'ai Dieu que pour toi, Marie. Burke. Hein bah arrêtez, pas Choupette. Ça gâcherait la magie. D'accord, je comprends pas trop, mais si tu le dis. Non. On perd pas Héro. Hein. Héro, moi je l'aime bien. Hein. Elle était pas avec Captain Spatial avant. Putain, le Captain.
sont juste superficielles. Tu ne peux pas la comparer à un vrai truc comme ce qu'Omori et moi. Pas vrai, Omori? Oh? Omori est... J'ai encore une petite question, moi. Pourquoi c'est Omori et c'est pas... C'est pas son nom quand il est dans le monde normal, quoi. Ça, je comprends pas, moi. Que de mystère, hein. Que de mystère. Oh! Attends, il y a un truc, là. Ah non, c'est des gouttes d'eau. Putain, je vois rien. Ok. Montons. Ok. Un max de cadavres. Ce n'est pas vivant. Oui, j'ai bien l'impression que ce ne soit pas vivant, tout à fait. Ok, donne-moi des ramen. Dans les chiottes. Je sais pas qui se la bouffe des ramen dans les chiottes, mais ça se la bouffe, hein. Ok, un peu de tofu. Vas-y, viens là, on va te taper, là. Ok. Esprit d'équipe, pareil. Pirouette. Ouais. Ok. Non. Agacé. Ça peut être pas mal, je pense. Hein. Ah. C'est une Daft Punk la taupe. J'ai bien l'impression. Regarde là sa tronche. Tiens, croche-patte là. Brutier. Bien vu. Et il le rend triste, je suis con. Strong. Je suis trop con. J'ai oublié, je pensais que le croche-patte ça baissait la vitesse. Putain, quel con. Bon. Bah écoute, on va repartir sur. Un agacé, hein. Hein? Mais il fait un clin d'œil, dis donc, le coquin. Et tiens, Brutier! Et bim! Oh, il est bientôt mort. Oula. Merde. Attends, je me suis emballé un peu. Allez, attaquez avant. Voilà, magnifique. Une attaque émouvante, hein. Bien vu ça, Omori niveau 14. Qu'est-ce que c'est? Ah. Attends. Il va envoyer un. Hop là, le caillou. Alors, c'est un vrai labyrinthe. Merde. Ah, cassé. Dommage. Ouh, toi, mon pote. La tranchance, c'est quoi? Si Omori est heureux. Ah, ignore la défense quand Omori est triste. Ok. Vas-y, on va s'attaquer, la gamin. Tiens, passe aéro. Bim. Super. Bim. Oh, attends, il est bientôt mort, là. Bientôt mort, non? Crève jamais, le type! Ils sont résistants, ces petites taupes, là! Voilà! Bien joué. Waouh! Ça donne des XP de fou! Ah, merde. Allez. Bim! Bim! C'est quoi ça? Un enfer rien que pour toi, mon cher. Gras gras. Qu'est-ce que c'est? Ok. On va peut-être se refoutre un peu de. Un petit goûter là. Bah ouais. Je pensais pas que ça revenait si peu. Putain, les tofu, ça sert à rien. C'est quoi cet endroit? Ouais. C'est ça qui me manquait. C'est
ça qui nous manquait finalement. Petite musique là, mais pas dans une bonne ambiance là, dans un bon mood. Qu'est-ce que c'est que cette bulle là? Ah! Allez, on va se la tailler la gueule, hein. Énerve-le et là, boulequier, taillade. Ah oui, ça pique, hein. Ok. Très bien. Frappe puissante. Waouh. On va regarder de suite quoi ça signifie là, cette histoire. Hein. Merde. Oh bref, frappe puissante. Une attaque qui ignore la défense d'un ennemi et la réduit en plus. Ok, on va. Non, attends. C'était quoi? Rend Audrey. Ok, tous les ennemis ciblent Audrey. Je sais pas du tout. Je sais pas si. Normalement, il y a encore une zone après celle-ci. En vrai, je sais pas. Je sais pas du tout. Attends, merde. Quel con. Ah mais je l'avais déjà appuyé. Je sais pas du tout. Je ne sais pas. Peut-être, hein. J'en ai aucune idée. Bah écoute, toujours pareil, hein. Moi je kiffe, hein. Moi je kiffe l'histoire, on a toujours envie d'en savoir plus. Là, depuis qu'on sait que Marie dans le vrai monde. Puis on a des questions encore, tu sais, pourquoi Omori. Enfin, pourquoi il a le nom d'Omori ici? Tu vois? Je sais pas. Il y a plein de mystères autour de ce jeu. Après, ça plaît pas à tout le monde, hein, tu vois, par exemple, le Jean que. Je peux dire que le Jean qui. Le Jean qui ne l'aime pas. Hein. Et il me le fait comprendre. C'est vraiment sympa de sa part. Bon, une fois que j'essaie de changer un peu, bon. C'était où que ça s'est ouvert? Ouais, c'est vrai que c'est son. Ah ouais, mes jambes. Voilà ça. Bah, c'était où que j'ai ouvert là? Ah, c'était là-bas. Je suis con. Ah bah, Jean, que ça reste Jean. Hein. Tiens, dégage là. Bouge-le là. Ah ouais! Deka! Bon, puis tu vois, ces petites phases-là, ces petits trucs d'énigmes, c'est sympa, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est les copains, c'est rigolo! Par rapport à quoi? Qu'il est resté. Que le Jean qui est resté sur ton live? Eh ben, dis, on en chope du tofu, hein! Ça se la colle au tofu, hein. Ah, une autre pièce. Deux palourdes. 25. Oui, il y a de la thune. Ah, il est... Tu vois, il t'aime, hein, finalement. Moi, il me déteste, mais toi, il t'aime. Hein. C'est beau. Hein. 30 palourdes. Oui. Ah oui, enfin! C'est trop simple, il va y avoir une couille. On est dans le château. Wow! Ça, c'est beau! C'est beau le château de Choupette. Oh, ça va.
Ah, de ouf, hein. Il est stylé, le... Ah! Je pense que vous avez fait pour d'autres. Ils vont foutre des... Parbleu, mes yeux ont dû me tromper. Je vous présente mes excuses, mes frères. Il est plutôt difficile de voir à travers ce casque. Je vais reprendre ma patrouille. Vous devriez trouver vos postes également, de peur de le chercher pas de normal. Ok, on peut visiter. C'est passé sans problème, héros. Avec ces masses de topous, on va être en mesure de sortir d'ici en un rien de temps. C'est pas trop fort la musique, parce que moi, dans mes... ça hurle un peu dans mes oreilles. Jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. Allez, on bouge d'ici. Mais non! C'est un vin naturel. L'équipe de Harold a eu l'avantage. Quoi? Ah, ça va! Je sais pas ce qu'il fait, l'autre, avec son chapeau. Ok. On va attaquer le... Ah, ça déglingue, hein. Ah, le bon cône de chantier avec des cœurs. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh, wow, 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 wow. Ah, ça fracasse, hein. Ça fracasse cette année. Allez, on appelle Kiel. Ok. On va tous attaquer. Allez, bim! Ça dégage. Allez, Lucius. Un nachos. Nice. Bon, les nachos. Ok. Sympa ce petit château là. Ok, donc il y a des entrées des deux côtés. Après, ce qu'on veut, c'est se barrer. Ok. Ok. Moi, ça me fait rire. C'est Thérèse. On va se la défoncer, hein. On va se la défoncer, la Thérèse. Bien, ouais. Moi, la Thérèse. Ouais. On fracasse Thérèse. Ok. Top des enfers. Oh, putain! Et l'autre, il fait un coup critique, c'est en... Allez, encore! Bim! Je te jure! Petite taupe de... Putain, ils me l'ont tué en un coup! Oh, Michel! Ah! Michel, t'es con! C'est Omori qui a appris quelque chose. La tranche. C'est quoi piéger? Inflige des dégâts si l'ennemi est heureux. Réduit considérablement sa vitesse. Allez, hein. Essayez. Top 2. Hop. Top 2. Oh, Michel, t'es con. Barre de granole. On va se la coller, la barre de granole. Moi, les gens qui me soutiennent pas, de toute façon. Ah, c'est bon. Pas dépenser toute ma thune. Ouais. Putain, il y a du monde partout là. Ouais. Vous n'aidez pas du tout.
Celle de balle et la bibliothèque. Là, ça, c'est encore plus important que le dernier spectacle de Choupette. C'est quoi ce jeu? On est où là? Oh, une lettre! C'est bon ça? On est où là? Attends. Bim. Y a pas moyen de faire quelque chose là? Dans le mur. Oh! Choupette. Essence de Choupette. Elle a foutu sa gueule partout. Mais après être ici, devant commence à se remettre en question. T'as les personnages et tout. Laisse tomber. Purée. Merci. Que de l'amour. Que de l'amour pour toi. T'es un amour d'amour. Je me perds dans le château, laisse tomber. Il est immense ton château de mort là. On se récolte de la palourde. On est où là? Qu'est-ce que c'est? Il y a une sacrée file d'attente là. Peut-être pas attendre, hein. Ouais. Dégage! Il y a un truc là-haut! Ok. D'accord. Bien, pas bien. Est-ce que tu penses qu'on peut conseiller un peu? Ouais. Ok. Ok. Cherche Choupette. Où ici les servants envisagent-les? L'événement principal à venir, un code vestimentaire strict qui est la plus haute importance que le public soit habillé sur un. Un simple graphique que n'importe qui pourrait comprendre. En rose. Bon. Tu peux faire quelque chose d'aussi simple. Aux invités non désirés de te suivre et amène-les-moi. Ok. Ah! Attends, quelqu'un de charmant. Auquel il est charmant! Oui. Quelqu'un de plus charmant? Oh, bref. Ah, bah, héros! Héros, il est beau gosse, hein! Hein? Ah, bien sûr. Quel beau gosse. Si, si, je vous prête attention. Enfin, du moins, François. Je sais pas ce que ça va me donner, cette histoire. Putain, il y en a beaucoup, merde! Je sais pas si les autres là-bas...
Même ceux-là? Ah ouais, même ceux-là, putain. Putain, faut aller chercher dans toute la pièce. Ah, vous êtes beau. Merde. Ah bah si, je peux passer après. Eh ben, rien que ça. Rien que ça. Ah, mais c'est où, putain? Là, il y a que du rose, il y a que du rose, il y a que du rose. Il y a que du rose. Là, il y en a un qui est autre. J'espère que ça va me donner quelque chose, parce que putain. Ok, bien. Putain, il y en a partout. Allez! Ça dégage. Ça dégage les noms roses. Voilà. C'est tout? Ah d'accord. Mais c'est pas très gentil, finalement. Un livre? Wow. Qu'est-ce que j'en fous de ton livre, là? Ah, un livre intéressant. Ouais. Et là, qu'est-ce que c'est? Recueil de poésie. Bon. Finalement. Oh. Ah oui. On se restaure un peu là. Il n'y a pas la marine, mais on peut se restaurer, hein. Oui, elle est là. Oh. Tu peux regarder un petit film. Ils sont partis trop dans le délire. Putain, ça... 80. Ah, c'est pas la choupette. C'est une poupée. Ok. Saruman, on va éviter de le... Un petit... Ça, oh là! Qu'est-ce qu'il veut? Sir Maximus. Oh là. Je suis Sir Maximus, avec ma lignée impressionnante, je serai apporterai honneur à ma famille. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh putain, il est vénère. Purée, là. Allez, on va... Ouais. Bim. Ah, Sir Maximus, je peux te dire que... Ah, ça déglingue. Bim. Top Andromède. Purée, il est triste, hein. Bim. Voilà, la défense baisse, bien sûr. Pas très fort, Jean-Michel Maximus. Hein. Vas-y, on repart sur frappe puissante. Lui, on va lui dire agacé. Comme ça, il va être vénère. On va lui mettre bien cher.
Et là. Oh, il est là le plus beau. Comment vas-tu, mon loulou? Ça profite des vacances ou quoi là? Ça se la profite la petite gueule là. Ah, il est plus beau. Hein. Bim. Ah, super. Oula. Ah, la petite gueule là, ça. Wow! Enculé! Putain, il m'a mis cher, Jean-Michel Maximus là. Qu'est-ce qu'il lui prend là? Vas-y, passe au vrai. Ah, c'est le plus beau. Bim. Putain, on se l'est collé, Jean-Michel Maximus. Nice, nice. Ça se la monte. Je sais pas ce qu'il veut là, il m'a saoulé. On va peut-être retourner vite fait au cinéma pour récupérer de la vie là. Parce que moi, Jean-Michel Maximus. Hop, on va se le prendre le petit thé là. Ah, les petites gâteries là. Mais c'est bien, ça nous donne de l'XP, c'est très bien. C'est très bien ça pour les espèces de boss noirs qui font peur, ça va être très bien. Bam, 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 bam. Oh, la petite ambiance là, la petite ambiance de château là. Qu'est-ce qui se passe ici là? Aïe, aïe, aïe. La foule va probablement finir par se disperser, on devrait vérifier plus tard. Ok, donc là le but c'est de visiter le château. Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On a vu la salle de cinéma. Les arènes Pokémon! C'est vrai. Il y a un petit faute. Oh! C'est notre copain lui! L'autre il disparaît comme ça. Ce n'est pas du jus de pastèque, c'est du jus de cul. Qu'est-ce que. Un cancer. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est que t'es toujours surpris. Tu sais pas ce que tu vas voir. Tu sais pas, mais tu le vois quand même. Taupe virtuose. Flamme rose en plastique de mon cousin chante mieux que toi. Très gentil. Allez, sinon la choupette, hein. Si on peut les aider. On est des aideurs professionnels. Ouh, attention. Ah non. Ok. Ça va être une sorte de mini-jeu peut-être? Alors, comme vous pouvez l'imaginer, la chorale ne fait que s'endormir. C'est toi le plus beau. Ah, des méthodes alternatives pour le tenir éveillé. T'es vraiment le plus beau. C'est dingue. Hein. C'est exactement de quoi tu parles. Nous sommes sauvés. J'aurais dû attendre. Vous pouvez me faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Faut toucher quel? Qu'est-ce qu'il va nous faire lequel là? Je suis prêt à y aller. Qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde! Merde! Ah ok! Ok! Ah, ok. Ok, understand. Faut se les réveiller, les petites gueules là. Excellent travail, et voilà. Si nous pouvons faire mieux. Ben voilà. Oui, on peut réessayer. Allez. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Concentré, concentré. Dès qu'il y en a un qui s'endort, bim! On l'encule. Ah, tu peux anticiper.
Faut anticiper. Bon, en fait, faut les canarder leur gueule. Avant même qu'ils s'endorment, on les canarde. Ah. Pour une session de plus. Allez, on se la donne le dernier essai. C'est parti. On les déglingue, hein. Là, ça s'endort, ça s'endort. Bam, 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 bam. On est en balance sur leur gueule, là. Bam. Ça va le faire, ça va le faire. Merde, de l'autre côté. Ah ça va. Ah ça va. Merci pour votre temps. Oh, c'est pas mal. C'est tout, donne-moi un truc. À lui. J'avoue. Bah attends, on est dans Zelda là. Ça c'est, je reconnais, c'est les tunnels ça. C'est les tunnels d'Ocarina ça. Oh, ça ressemble la musique. Ça ressemblait un petit peu, hein. Ça ressemblait un petit peu au petit tunnel là, petit secret là. Merci monsieur. La musique, hein, t'écoutes. Ah non mais par contre, t'écouteras. Je vais essayer de réécouter le replay. La musique, je pense qu'il y a un truc. Mais qu'est-ce qu'ils nous font Oh, il y avait une pastèque de l'autre côté. Avec nos tranches de taupe, un soda à la pêche, putain. Mais ouais, Epona là, elle arrive. Ah, si je fais cette tronche, c'est parce que je suis en train de vomir. Qu'est-ce qu'il veut là, Gandalf? Laisse ma vie, Gandalf. Allez. Allez, lui, pas besoin, de toute façon, il est en carton le mec. Passe à héros. Non mais ouais, il y a un truc du genre. Bloquer. Ce qui est fort, ce Omori. Oh, un petit peu d'XP là, ça fait toujours du bien. Et voilà. On se les prend l'XP là. Ouais, j'aime pas, ils sont trop résistants. Ok, bon, il y a pas grand chose à faire dans cet endroit. Ça doit être là-haut alors. Qu'est-ce qu'on a là? La cuisine. Ah, il y a une pastèque bleue. Oh, mais non. Magnifique gâteau, bah ouais. Putain. En tant que cuisinier plus capable d'entre vous, je me porte volontaire pour assumer, je ne vous décevrai pas, je vous le promets. On va se le foutre le gâteau. Ah là là. 4 déserts. On se voit en cuisine. Pronto. Oh, pronto. Qui suis-je? Complètement malade le mec. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, les petites... Putain, il y a la marée, hein. Oh, adorable. Merci beaucoup. Magnifique. Merci beaucoup. T'es un amour d'amour, toi. Tu le sais, ça? Merci mille fois. C'est adorable. Ça me touche énormément. Moi, les amours d'amour, comme ça. J'ai envie de leur sucer le moignon. Ah. Oh.
T'as des trucs? Toujours un peu de thunes, hein? C'est qui c'est? Oh! Bah pardon! On se les casse, hein? Un nœud papillon, ok. Putain, il y a tellement de trucs à faire, mais c'est... Qui sent les ordures? Où est-ce qu'il va nous emmener celui-là? Ah, c'était ma musique préférée celle-ci. Je l'aime vraiment bien. Et donc du coup, elle me l'a pété la gueule et ça fait quoi là? Putain, mais c'est quoi ce château immense là? Mettez-vous en place, ok? Je ne sortirai pas de cette salle. Ok. 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 Bah, let's go, on va essayer de se le faire, ce petit gâteau là. Soyez pas nerveux, faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Tout d'abord, il faut préchauffer le four à 25 degrés. Vite. 25. Ok, let's go. Des fleurs et des balles de ping-pong. Pardon. Alors, des fleurs et des balles de ping-pong, là? Non. Des fleurs, allez. Non. Non. Sucre, non. Elles sont où, les putains de fleurs, là? Pourquoi je trouve pas les fleurs? Non. Noix de coco. Oh! Quelle a appris coup de jus? Pardon? Ah, mais ils sont adorables ces gens-là. Mais par contre, les balles de ping-pong. Ah merde, pardon, pardon, pardon. Je vois pas de fleurs! Ah oui, j'ai besoin de plus d'ingrédients, mais. Je veux juste dire qu'il n'aime pas ça. Y'a pas d'un. Ouais. Là, y'a une fleur, mais. La vieille botte. Non, c'est pas ça. Oui. Cornichon, non. Mais je deviens fou, quoi. De ping-pong. C'est ça, non? Ah merde. Le sel et le fromage. Au pif, je comprends pas, il me demande que des ingrédients qu'on n'a pas. Enfin, et surtout attraper la sauce et couper là en morceaux. Attraper la sauce, je comprends rien. Ah, rien compris. Ok. Ce que ça va donner, hein. Ok. C'est du beau travail. Prenons-en une bouchée. Ouais, il y a une bombe là. Bah ouais. Oh. J'ai perdu là?
Merde. Vous êtes prêts à faire ce gâteau? Ah, d'accord. Ok, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. On va se rattraper, on va se rattraper. Ok. Farine et des œufs. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, c'était une merde. Non. Oui. Ah bah là, je comprends un peu mieux, là. Putain. Oui. Ah là, on va te faire un gâteau, mon pote. Cyril, il est pas prêt, hein. Le sucre et le beurre. Oh. Parfait. Ouais, donc en fait, on aurait pu mettre n'importe quoi, et puis... Nice. Ensuite, dis-moi tout. Que des fraises. Ah. Top cake. Magnifique. Ah ouais, on va se la régale la gueule, hein. Crumble de taupe. Ah là, on va se la régaler. Hein. Ça annonce déjà une belle régalade. Hein. Merci encore, mon loulou, hein, pour l'abonnement. Moi, les amours comme ça. Ok. Waouh, il a l'air plutôt bon. C'est comme ça qu'on fait un gâteau. Enfin, que sa mémoire vive à jamais. Vous pouvez disposer maintenant. Ok. Une poêle. Mais attends, depuis tout à l'heure, Je peux équiper des trucs peut-être là. Non. Marteau comète. Ah ouais. C'est bien mieux, marteau comète. Ok. Mais non. La souris à Hitchell. Lui, de toute façon, il n'a que le couteau, sa mère. Ah, la noix de coco. Ah ouais. Ah ouais. Putain. Putain. C'est génial. Ah mais attends, il a pas appris en plus une compétence là. J'allais voir. Oh la poêle. Putain. En fait j'ai plein de trucs là. Plus de défense, plus de précision. On va laisser ça comme ça. C'est quel qui a appris une nouvelle agacée, contractée? Ouais, ça, je l'utilise pas beaucoup de toute façon. Redonne énormément de jus à un ami, mais le blesse également. Ah non. Fonction de sa vitesse et de son attaque. Non plus. Bon, on va laisser ça comme ça. Pas grave, on gagne plein d'objets. Là-bas, ça se la bouffe, la petite gueule. Putain, il y a tellement de... Ah, oh, c'est un autre. Alors, c'est pas Sir Maximus, là, c'est qui? Ah, c'est Maximus 2. Ouais. Genre de Sir Maximus, vous avez peut-être surpassé mon père, mais je suis plus fort que lui. Allez. Allez, Sir Maximus. Viens de battre. Viens de battre, mon con. Allez, on passe à héros. Super ça. On attaque avec la noix de coco. Hein. Bim. Alors, Jean-Michel Maximus, là. Ça se la bouffe, la petite gueule. Tiens, un coup de poêle. On va l'agacer un peu parce que... Oh là là, magnifique.
Et ça prend encore dans la défense, hein. Ah, il y a son père. Ah, le salaud. Waouh! Ah ouais, putain. Omori, vas-y! À toi, Omori. Super. Oh! Je suis désolé, j'ai échoué. Il y avait le fantôme de son père. Oh putain, la vache! Et a pris confiture maison. Oh, héros, il va pouvoir raise. Merci, monsieur. Ah ouais! Il va pouvoir rendre à la vie. Ouais. Putain, je sais plus parler! J'aime bien héros, moi. Agit en première et visant l'attaque d'un ennemi. Est-ce que ça. En vrai. Confiture maison, ça a pas de prix, ça. C'est le healer du groupe, quoi. C'est. Tu comprends ce que je te dis? Mais merde! Ok. Putain. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui rendent de la vie à tout le monde là? Les jus. $35 à tous les amis. Ok. $60 à tous les amis, j'en ai combien? Ah putain. Fais chier de gâcher ça. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se prendre un petit popcorn. Bah on va pas se prendre de petit popcorn. Putain! Tiens, crève! Thérèse! Regarde Mori! Aimez-vous un peu! Bah. Putain! En tartoche! Putain, mon petit héros en tartoche là! Tiens, bouffe-le là! Bouffez-le! Tiens! Vas-y, attaque! Yes, nice. Okay. Pas évident, hein? Putain, le héros en tartoche. Ils me les ont pétés! Faut pas que je me prenne une Thérèse là, parce que. Si je me la prends avant de me la soigner, la petite gueule. Ça n'y a rien à comprendre, hein? Ah! Merci, le thé spécial de la choupette, là. Ça nous soigne la gueule, hein. Ah, il me l'a foutu en tartoche. Putain, le bon héros. Et juste avant, je dis, c'est mon préféré. Tu parles. Notez, je suis... Ok, on n'a pas fait en haut à... Oh! Calme-toi, toi. Dernière activité, je suppute. Hop là, esquive, esquive. Ah, c'est un ascenseur! J'avais pas compris. Une perle. Poésie par Choupette. Un jour, et qu'elle fût. Quel jour merveilleux. Ah oui, mais c'est le. C'est Captain Spatial. Oui, on peut dormir éventuellement. Merci. Ah, je me sens revigoré tout de suite. J'ai trouvé un traversin. Mais est-ce que... Parce que j'en ai des trucs, hein, mais est-ce que ça sert à tout le monde, là? C'est quoi ces histoires? Est-ce que j'en branle du traversin? Info ennemi. Ouais. Les blagues.
Intéressant, un livret vers la colonie Topus. Masque fait de Topus. Et un bon flocon. Oui. Ah, c'est Rosa! Ah non, c'est Castella! Ouais, mais j'ai eu... Ils ont tous la même gueule. Attendez une minute, peut-être que vous êtes capable de m'aider. Lors de sa chambre. Hors de sa chambre, je n'arrive pas à la faire bouger, c'est seulement un truc. Ah. J'ai bien l'impression que vous avez besoin de destruction. Et Aubrey. Ah bah, elle va te la foutre en. Ok. C'est pas une statue de Captain Spatial? Ouais. Bah ouais. Putain, Captain Spatial. Il avait la classe, hein, Captain Spatial, hein, quand il s'était transformé en Super Saiyan, là. Ok. Bien, l'enculé. Eh bien, c'est l'heure de nettoyer. Hop. Allez, nettoie. Dis donc, ça va vite de nettoyer ici cette année, hein. J'aurais dû laisser cette tâche à des spécialistes. Ah, et du coup, elle en met une deuxième. Je dirais que tout ce qu'elle a à faire, c'était de la soulever par le bas. Ok. Et tu veux pas me donner des objets, du coup? Ah, mais j'étais là! Petit jus d'orange là, petit soda délicieux, un petit soda à la pêche, tout simplement. Ah, qui sent le romarin? Ah, et on se bouffe le romarin. Ah, c'est calme ici, j'aime bien. Voilà, c'était mon imitation. Jus de fruits. Oula. Ouais. Énervé contre le capitaine spatial, hein. Oh, c'est beau ici. Oh, héros! Attends. Masser, ouais. Ah, donc là c'est jus plus. Merci. Je suis très très bon en imitation. Et du coup, il peut prendre une théière. Hein? Ça augmente son jus, mais ça baisse tout. Ah, vas-y, ah, vas-y! Ce rêve! Ah c'est bon là, on peut ressortir. Wesh. Oh. Qu'est-ce qui est nouvelle là, ces petits trous de balles là. On va se la faire embrouiller la gueule ou? Petite esquive. Je savais qu'il était là. Oh non! Putain. Sir Maximus 3. Ah! Sir Maximus II, le petit-fils de Sir Maximus. Il est homorime. Aïe, 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 aïe. Comment vas-tu? C'est pareil, c'est les vacances toi aussi, là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Allez, on se la taille la gueule. Bah, ça va et toi? La forme. Allez, on passe à Héro. Héro, il va faire. Voilà. Bien, wesh. Alors, ça prend des petits dégâts là. Petit coup de poêle. On va tailler la. Non. Attends.
Je me suis emballé, ok. Aptitude, on va se faire une petite. Voilà. Un petit repas sur le pouce là. Là, le retour de Sir Maximus. Mais là, c'est le petit-fils. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il est passé triste. Partir là-dessus. Ok. On va agacer Jean-Louis là. Et on va attaquer. Allez, on l'énerve. Hop, un petit coup de couteau. Ça paye pas de mine. Ouché. Un peu énervé. Putain, il est plus fort lui, hein. Le coquin là. Les balades, chiot. Pour te parler un peu à cœur, j'ai mal au cœur depuis ça. Je pense retrouver. Le dos sur la plage, comment c'est écrit? J'ai rien dit. Mais qu'est-ce que je viens de lire? Wow. Ok. Oula, ça va s'énerver la gueule. Bim. Bon là c'est bon, c'est fini là. Voilà. Eh ben. Ah ouais, ah ça monte du niveau. Bah écoute, je suis touché. Je vais tripoter le dos alors. Non mais je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Il y avait pas une foule. Ah là. Et voilà, on va pouvoir y aller. Je sais pas ce qui vient de se passer. Alors, attends, je crois que j'ai chopé un flèche dégâts à un ennemi 3 fois. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais. Ricocher, c'est fort. Qu'est-ce que... Oh, bonsoir, la quéquette. Comment vas-tu? C'était pas lui. C'était Aubrey. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai aucune idée. Ah, les ennemis heureux. Ouais. Ouais, pour le moment, on va laisser comme ça. Toi, je transpire beaucoup, vu le poids énorme que j'ai fait. Je suis complexé, du coup, mon dos est énorme, et des fois, je confonds dos et lui. Comment tu veux que je réagisse à ce qu'il vient de dire, ce mec-là? Je peux pas commenter ça, moi. Oh, il y a un truc. Je suis désappointé. Je sais pas, ça sert à quoi ça aussi. Trop de mystère dans ce. Ah, là aussi, dis donc. Je
J'en ai aucune idée. Que de mystère, hein. Entre ce chat mystérieux et ce jeu mystérieux, moi je sais plus où me foutre. Allez, venez, on se casse. On risque de se l'affronter, hein. On risque de se l'affronter, la choupette, là. Ça, c'est sûr, hein. Ah là, mystère, mystère, hein. Je me demande ce qui se trame, mec. Ouais. Ah, on va se la prendre, hein. Ouais. Fouillons dans les parages. Ok. Ah, ça doit être par là. Ouais, ça y ressemble. Go! C'est quoi ça? Cette sculpture végétale choupette vient de nous tirer un laser. C'est végétal aux toilettes, mais bref. Déca. Ah ouais. Ah mais du coup, ouais, ça me libère le passage là-bas. Ok. J'avais pas compris. Bim. Ah, vous êtes beau, hein. Vous êtes vraiment beau. Vous êtes vraiment les plus beaux. Ok, là on peut passer là. Ça marche. Ah, là il y a une petite pastèque là. Une petite citronnade. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Moi je vous aime, sauf Jean-Luc. Ok. Donc là, ça c'est bon. Ah, il y a celui du bas aussi. Oh putain. Ah merde! Putain! Vous êtes vraiment les plus beaux. Merde. Non, c'était le seul. Ok, let's go. Ok. Une tomate. Ok, bah, merci pour la tomate alors. Je vous aime, vous êtes les plus beaux, hein. Il y a Saruman. Putain, je suis baisé. Oh là, oh là, oh là! On va se la buter, la Saruman, parce que. Oh là 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 là! Merci beaucoup pour ça! Mais vous êtes des amours! Je vous aime, hein! Merci beaucoup! Pour tes textes remplis d'amour! Qui j'ai pas compris, mais. T'es un chic type! Même si on se mettra pas ensemble, t'es un chic type! Merci beaucoup en tout cas, c'est gentil!
Toi, t'y a un amour de bébé, toi. Bim. Pendant qu'on se bute de la taupe, là. C'est bon, ça. Ok. Peut se prendre le petit thé, là. Ok. On va aller voir de l'autre côté. Ah, c'est quelle? Hop, bim. Ça, c'est fait. Donc là, on peut faire le tour. Oh, les petites énigmes, hein, on aime ça finalement. Ok. Ces petites énigmes à la con là. Mais on les aime quand même. Bien, hop. Bim, dans ta. Il faut que je refasse le. Allez, let's go, on refait le tour. C'est quoi ça? Ok. Ok, le MDP, le mot de passe. C'est du sus, hein. Du sus, il faut lui mettre dans l'olive. Hein. Hop là, bah oui. Oh la Thérèse. Faut que j'arrête de faire ça. Oh purée, la Thérèse, elle a pris cher. Ça monte des niveaux tranquillement, hein. Tu te bats contre une châtaigne. Mais... Profitez bien les loulous. Merci encore hein, pour le Prime. C'est adorable. Profitez bien de ces vacances. Je vous aime, hein, de toute façon. Vous êtes beaux. Hein. Vous êtes des beaux jeunes hommes, là. Hein. Vous savez que je vous aime. Ok. On peut passer par là. Vous êtes vraiment le plus beau, quoi. Peut-être qu'un jour, on apportera une calélite illustre. Ok. Donc, il faut aller péter celui du haut, c'est ça? On va se prendre un petit café. On va se prendre un petit thé. Ah! Vous êtes tous les deux les plus beaux des beaux. Du coup, c'est là-haut. Il faut péter à chaque fois le soldat, c'est ça? Lui, c'est le premier. Je garderai la sagesse du château. Ok. Bah, bien sûr. M4D sur YouTube, hein. On follow. On follow à fond. Ah, les bâtards. M4D sur YouTube. C'est de la qualité. C'est un vrai kiff. C'est du let's play. Du let's play sur du Resident Evil. C'est que de la qualidade. Ah, on aime. Hein. Ah, on aime ce genre de gameplay. Du gameplay avec la Ashley qui fait nimp. On slame le petit gameplay là. Ah. Tiens, Thérèse! Allez, appelle au Mori. Tranche-lui la gueule.
Ah. Ouais, un petit... Ah non, attends, on va essayer ça. Mais c'est bien. Ouais, de ouf. C'est super bien fait, c'est vrai. Bim. Ah ouais. Ah oui. Allez, donnez-moi l'XP là. Mais du coup, salut, je suis genre super. Je peux genre vous aider pour un truc. Ok. Il cache quelque chose, mais. On va se. On se prend le petit thé, hop, histoire de se remettre de la vie. Projette une ombre déconcertante sur le jardin. Ah. Oh les bâtards! Ah oh, non, j'ai pas. Oui, je sais, je sais! Ah les bâtards, ça fait du dégât! Putain, mais c'est trop méchant! Attends. Putain, ils donnent tous un. Genre au début, lui, il dit quoi? Ah! Ouais. Ouais, en tout cas. Gardez le deuxième des quatre. Tu veux connaître le mot de passe, hein? Facilite, mon pote, je veux dire, t'es vachement grand pour une topousse. Je pense que je préfère. Pourquoi ne pas le courir? Je te dirai le mot de passe si tu veux deviner à quoi je pense au moment. Ah. Ah, voilà. Donut. On retient. Deuxième, c'est Donut. Donut. Je suis censé. Ouais. J'ai commencé à brouter de l'herbe. Okay. Ah. Confiture. Le petit raconte sa vie. Bon, ouais, c'est bon. À garder le mot confiture. Ok. Donut, confiture. Ça marche. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il me fait peur, là, avec sa espèce de cheval. Ah, mais c'est un ennemi, putain! Ah, c'est un topousse! Tête de cheval et fesses de cheval! Je sais pas pourquoi la tête me fait plus peur que les fesses. Donuts et confiture. On est bon, on est bon. Merci mon loulou. Mais regarde-les! Claire tête de cheval! La tête de cheval, elle la prend. Elle la prend la sauce. Les fesses de cheval, écrase. Ah, tu vois? Ça mord, hein? Ciao, mon avis. Je m'en doutais. Allez, appel au bray. Elle va. Elle en fait du légal au bray. Il va se faire un petit ricochet. Ouais, il n'y a même pas besoin. Vas-y, au bray! Oh bien, wesh.
Putain, les fesses de cheval. C'est quand même beau. On reprend le petit thé. Hop. Dis pas qu'il est revenu parce que. On va passer de l'autre côté. Donc, donut confiture. Ensuite, lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Ensuite, donut confiture. Le troisième. Lui, c'est le troisième. Je suis censé le dire à personne. Genre, vous en avez vraiment, vraiment un? Oui. Ah, il est casse-couille. Ok. Vas-y. Approchez-vous, le mot de passe qui est confié. Fourré. Fourré. Bizarre le mot de passe un peu. Fourré. Ouais. Le premier des quatre. En plus, c'est le premier. Magnifique. Je m'excuse, j'ai peur que ce soit pas dans ma juridiction. Je suppose que quelque chose de goûteux, blanc cassé et cubique pourrait me faire changer d'avis. Du tofu! Bien sûr. Maintenant, approchez-vous, me passez. Adorable. Ok. Adorable premier. C'est parti. Adorable donut fourré. Et le dernier, bah, du coup, ça doit être confiture. Allez, c'est parti. Adorable. Ensuite. Oh, c'est toi, mon kiki. Donut. Ensuite. Fourré. Et dernier, confiture. Oui. Eh ouais, mon pote. La sortie secrète. C'est toi mon loulou qui est adorable. C'est toi qui es fourré et qui est confiture et qui est donut. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des bruits là. Je t'aime tellement, il y a des enfants et tout ça. Merci. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi ça? Donnez-moi de la palourde. Ah, les petites confitures de vie, hein. Ah, après, vu qu'il peut le faire maintenant. 40 jus. Petite aile de poulet, là. Okay. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! On peut enregistrer here. Wabadoobadoop. Ok. 8 heures de jeu quand même, hein, putain. On se retrouve là? On dirait que quelqu'un s'apprête à se marier. Oh non, c'est avec Hero. Elle a préparé son mariage. Il est encore là, lui, avec ses lunettes de soleil. Après 42 saisons de la quête des cœurs de Choupette, il est temps de diffuser notre épisode. Nous avons rigoureusement cherché un prétendant parfait pour notre choupette adorée.
Non, Michel, te pousse Mike avec des lunettes de soleil, Michel. Aïe, aïe, aïe. Le petit, il se marre avec une taupe. Aïe, 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 aïe. Ils vont tous se déguiser en héros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'était pour ça qu'ils chantaient les... Trop bien ton idée, Michel. C'est pour ça qu'ils faisaient cette musique-là. Les... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il fout? La réponse était évidente depuis le début. Et Choupette elle-même. Elle se marrait avec elle-même. Ah, elle m'a saoulé. Mais c'est quoi ce personnage là? Tu es là! C'est pour ça qu'il joue. Finalement, hein. Par contre, Michel, ne rigole pas qu'elle, en fait, je me sens un peu mal pour elle. Bof. Ouais. Je vous déclare désormais Choupette et Choupette. C'est immédiatement ce mariage. Oula. Eh, Michel, Michel, arrête de prendre de la drogue. Ce mariage est bidon. S'aimer soi-même est une chose, mais là, ça va beaucoup trop loin. Ah, la petite morale, bien sûr. Pas encore vous, comment osez-vous remettre une garde? On les a tous pétés, aussi, Sir Maximus, là. Vous faites une erreur, vous ne pouvez pas vous marier à vous-même. Il y a quelqu'un quelque part qui vous correspond. Qu'est-ce que tu fais? J'étais jeune princesse autrefois. Moi aussi, je pensais qu'il y avait quelqu'un pour moi en cet univers. Mais c'est du passé maintenant. Ah, tu vois, un peu. Finalement, elle est triste. C'est ça, hein? Choupette, écoutez-moi, vous n'avez pas à faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce pourrait-il? Mon héros est venu me chercher. Aïe, aïe, aïe. Elle va le choper, elle va plus jamais le lasser. Lasser? Bien que ce soit terminé, mon cœur ne t'a pas totalement oublié. Je vais te donner une dernière chance. Épouse-moi, héros, maintenant. Fais-le et je laisserai tes femmes. C'est de la folie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu me rejettes? Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas. Alors, ça va être une choupette triste ou une choupette énervée, alors? Une choupette. Ah. Oula. Oula. Je vais admettre, j'avais peur. Je pensais que tu étais un prétendant qui en valait la peine, mais il semblerait que tu sois jaloux de moi! Ah, mais ferme-la! Sourire charmant, ma personnalité, ça doit être si difficile pour toi de te tenir en ma présence. Adieu, misérable plébéien. Waouh! Eh putain, il y a un vrai style graphique avec les boss, hein. Ouais. Contre énervé, c'était. Je pense qu'elle, elle va me la foutre. Ah ouais, de ouf, hein. Waouh, waouh, waouh. Elle m'a énervé tout le monde, là. Waouh. Tiens. Ah.
Elle me l'a énervé, hein. Hop là. Ah, la DA, elle est ouf, hein. Je kiffe, hein. Ça fait vraiment manga. Bam, 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 bam. Vous ne pouvez pas atténuer mon énergie positive. Ah, merde. Ne peut plus devenir triste ou énervé. Quoi? Oh merde! Elle me la fout, hein! Nice! Ah, il est enragé! Oh putain! Eh ben dis! Ok. Ok, 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 ok. Bim. Prends quand même la... Deka. Putain, je l'ai, mais... Putain, il est mort. Ok. C'est pas grave. Tiens, dans ta gueule. Oh là. Elle est devenue euphorique carrément. Tiens, on le tartine, hein. Toi, tu vas attaquer. Toi, il faut qu'on... Faut qu'on se soigne, là. C'est les frites, je crois. Ok, 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 ça a tenu. Ça a tenu. Ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu. Oh oui, ça va libérer l'énergie, mon pote! Exalté carrément. Eh ben dis. Tiens, dans ta gueule. Il n'y a pas un truc qui... Tous les amis énervés. Ah, c'est ça qu'il me faut. Allez, bâtard! Tiens, tiens, tiens. Magnifique. Bim. Bim. Le problème, c'est que là, elle est très rapide.
Là, ça commence à devenir coquin, là. Ah, j'essaye, j'essaye. Il n'y a pas un truc qui rend des cœurs à tout le monde, là? Allez, popcorn, popcorn, popcorn. Allez. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Putain, héros. La choupette, elle commence à prendre cher, là. Putain, il me l'a passé à... C'est devenu une tartoche, là. Allez. Oh, oui. Ah, vu que je suis triste, c'est des attaques émouvantes, là. Putain. Ça va être compliqué, hein. Allez, on va essayer. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On tient le coup, on tient le coup, on tient le coup. On pensera à toi, héros. Tiens, passe à Aubrey. Bim! Ça sent bon. Yes! Bim! Allez! Merci, monsieur. Ah, elle, ouais, j'ai pas trop mal géré le truc. J'ai pas trop mal géré le... Ouais. Les autres, je galère un peu plus. Je commence à prendre peut-être le truc du combat. Ah, Captain? Il y a le Captain, hein. Oh, de immédiatement arrêter cette folie. Captain spatial. Oula, 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 oula. Ah, oh, mon adorable donut fourré à la confiture. C'était le mot de passe. Putain. Je n'aurais pas dû te faire attendre pendant tous ces jours. C'était son surnom. Oh. Oh, c'est que de l'amour, hein. Oh, il est demandant. Aïe, aïe, aïe. Eh. Finalement, je suis le capitaine spatial et la quéquette, c'est ma choupette, quoi. Tu vois, bah, elle était énervée. Bah voilà. Elle était énervée, voilà. Ah voilà. Putain. C'est que de l'amour, hein, finalement. Que de l'amour, ce live. Putain. Je suis ému, moi. Tout pousse Mike. Ah là là là. Choupette et Marie spatiale. Purée. Regarde comme c'est beau là. Ah ouais, ils ont caché. Ils ont caché là. Ah, 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 ah. Purée. Oh là là. Bien, mon vaisseau nous attend. Mais d'abord, il y a une dernière chose que je dois faire. Donnez-moi le bouton. Moi, je suis ému. Ils étaient assis. Donc, on vient de faire une bagarre d'une demi-heure. Et... Oh, oh, oh. Ah. Oh. Bien, ma reine. Putain, c'est que de l'amour. Que de l'amour, ça. Il est toujours là, lui. Jean-Michel, Mike. Les habiles, alors? J'imagine que c'était une perte totale de temps. Les habiles, alors? Les coups relais de tout le monde se sont améliorés. Ah ouais! Il y a un trou. Voilà, c'est mon analyse. Aïe, aïe, aïe. Qui se marie avec une taupe, c'est un peu bizarre. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça rebascule. Putain. Putain, c'était habile. Faut aller dans le trou. Albator, qui se marre avec une taupe.
Il y a un truc bizarre. Est-ce qu'on saute? Je crois, hein. Fallait peut-être pas. Ah non, mais c'est dingue, hein. Ces transitions, elles sont. Putain, c'est beau la petite musique. Une orchidée colombe. Oh, l'orchidée colombe. Ah, ta mère! Je suis un peu énervé. Attends, il y a un truc. Un par un, ils se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est pas le lore de Marie? Un par un, ils se sont endormis dans la voiture sur le chemin du retour. C'est une longue journée à la plage après tout et tout le monde était épuisé. Tatata était le premier à s'endormir, suivi par les autres. Alors que le soleil se couche sur la tête de. Tombe accidentellement sur l'épaule de. Nan secoue le réveil, n'ose pas ouvrir les yeux. Semblant de dormir, stabilise sa respiration. Sans le doux soleil se reposer sur sa peau et la légère douleur. Soleil sur son nez. Il se souviendra de ce moment pour toujours. Ah! Enlevé! Ah, avec la musique et tout, c'est ouf. Allez, on lit un petit extrait là. Flaque de jus s'imprègne dans le tapis. La personne se tenant dessus n'est autre que Tatatin tenant une brique de jus ouverte. Ils portent tous la même expression de déception sur leur visage. Ils laissent échapper un petit rire coupable. Un homme disparaît par la porte. Un petit chaton noir se fait un chemin à travers la tache. Des traces mouillées sur tout le tapis. Les lumières rouges écrit après. Mais Tatata est déjà parti depuis longtemps. Bribes d'histoire là. Il y a moyen d'en apprendre plus peut-être. Vas-y. C'est une chaude journée. Tout ce à quoi penser était pourquoi il ne pouvait pas faire ça demain. C'est le bazar dans le jardin. Les planches en bois étaient éparpillées dans toute la zone grâce au travail des taches de peinture éclaboussées là. C'était juste le soutien, mais c'est pas ça. Alors, alors qu'il s'asseyait, il savait qu'il s'en. Bientôt, ses amis demanderont l'aide et il ne pourra pas refuser. D'accord, un peu d'histoire, un peu de storytelling. Oh, Marie! Pour être assigné à un bureau à côté de la petite fenêtre. Les ombres des arbres, les nuages au-dessus de sa tête, son esprit a dérivé ailleurs, dans ses propres univers, ses propres histoires, ses propres aventures. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Là, pour le moment, ça reste gentil. Il avait l'habitude de faire ça. C'était facile pour lui de se perdre. Aujourd'hui, un jour comme n'importe quel autre, regardait dehors d'un air absent tandis que les nuages passaient un par un. Soudainement, une main. Enjeu frappe son soin. Il fait signe que le cours est terminé et qu'il est enfin l'heure de déjeuner. Ok, donc c'était un rêveur déjà, hein. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, il y a un des livres, ils disent ah, toi-même, tu connais les bails, hein. C'est écrit puisqu'une étrange statue veille sur le lac caché. Elle a peut-être une symbolique importante dans le passé. Ok.
C'est pas très important pour la troupe, hein. Juste là pour l'utiliser comme plan. Alors, les frères sautent à tour de rôle de la statue. Ensuite, nana, puis encore une fois, nana, une fois de plus, nana. Les frères insidieusement, nana. Que ses jambes peuvent céder à tout moment. Essayez de se concentrer sur sa respiration. Une araignée noire. Il bouge ses membres, mais l'eau est plus forte. Il est trop faible, trop impuissant. C'est ce qu'il croit. Tant que les frères viennent me sauver. Attends, quoi? C'est un début de noyade, ça? Mais bon. Ça parle au masculin, donc. Oh! Je te vois, toi, Jean-Michel, dans les livres, là. Dégage! Dégage! Un début de noyade, cette histoire, quand même, hein. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est de retour aujourd'hui. La grande occasion est... Le groupe des six amis mange un délicieux petit déjeuner, fait maison et regarde la télévision tous ensemble. C'est le jour le plus agréable de chaque semaine. 8h du matin, il reste 2h. Il pourra... Avec tout le monde, ce qu'il pensait être un pasteur enrichissant plutôt que de regarder des émissions avec ses amis, il sera le seul à les manquer. N'avait pas à jouer du violon. Ok. Ouais, il jouait du violon. Pour le moment, ça reste très gentil. Oh, une petite lettre là. Oh, Zabil! N'oublie pas, c'est dans le coffre à jouer. Putain, bah Zabil, il a le Sharingan. Et ça y est. Ennuyé, hein. Toujours pas de nouvelles. Sharingan de Zabil. Alors. Machin dans le. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ampoule? On est reparti. Fait toujours quelque chose. Deux jours restants. Putain, c'est dingue. Ça y est, on repasse dans une phase d'amour et d'eau fraîche. Non, justement. C'est le contraire. Ah, ça va. Eh, Sani, c'est maman. Si tu continues à m'ignorer, je vais recommencer à m'inquiéter. J'espère que tu fais tes tâches à ton rythme. Je pense que moi, je ne pourrai pas tout finir en un jour. D'ailleurs, tu peux aller vérifier l'armoire en bas et voir, il y a des choses que tu veux garder. Tu vas te calmer? Bien sûr, ouvrir la porte, hein. On y va voir qu'elle.
sera pas là avant de venir te voir un peu plus tard. Eh ben, on s'y retrouve ici. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Follow for the jiggles. 10 jiggles. Ben alors, ça me propose des jiggles? Non, ben en tout cas, merci. Merci mille fois. Merci, mon loulou, d'être là, d'être le dernier. Hey, jiggles? You want 10 jiggles? Non, en tout cas, merci. Merci, mon loulou. T'as été le meilleur, comme d'habitude. Merci d'être encore là. Merci d'avoir suivi le live pour ceux qui l'ont suivi. On n'oublie pas d'aller follow la chaîne de Garasan84. On follow, on suit live Let's Play en ce moment d'Ocarina of Time. C'est un vrai kiff. Petite pépite. Ça, c'est du biscuit. Du biscuit, on mange comme ça? C'est du biscuit, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, n'hésitez pas à aller le voir en live. Généralement, il live le soir. Contrairement à moi qui live plutôt en journée. Lui, c'est des lives le soir. Donc voilà. Ouais, le passage. Là, on repasse sur du passage un peu déprimant. Ça va être sympa. Moi, je préfère un peu cette histoire-là. Même si l'autre est hyper sympa, c'est coloré, c'est machin. Je préfère un peu cette histoire un peu plus dark. On vient pour ça de base, hein. On aime la mort. Et puis voilà, bah, en tout cas, voilà, je vous aime. Passez une très bonne journée. C'était un kiff. Je réenregistre une dernière fois, peut-être. Attends, hop. Ah, c'est pas mal. Attends, petite dernière. Voilà. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Je vous tiens informé pour la suite. Sony se tape avec le monde entier. Bon, en tout cas, gros bisous. Merci encore. Et n'oublie pas, hein, DJ Girls. DJ Girls a gagné. Et ça, c'est important. Les Jiggles, ils sont là. Gros bisous. Ça, c'est mon petit bébé, ça. Allez, bisous, je vous aime. Ciao. 10 Meagles, 10 Seedles. Bon, allez, je vous aime. Gros bisous.